Nous n'avons pas commencé à réduire notre dépendance au pétrole. Ah, le pétrole et plus généralement l'énergie, voilà l'inavouable péché de nos économies. Péché géopolitique, mais aussi économique et bien sûr écologique. Je suis Guy de Lafortelle, je rédige le service d'intelligence économique et financière L'Investisseur sans costume et j'édite l'Être d'investissement Risque et Profit. Et aujourd'hui, je vous enregistre cette vidéo sur le pétrole et nous allons commencer par une petite citation. Une chose nous manque, chers amis, une chose essentielle, le pétrole. Nous sommes obligés de l'acheter à d'autres, cher, trop cher. C'est notre richesse qui s'en va et notre façon de vivre qui est menacée. Ces quelques lignes que je viens de vous dire nous étaient servies par un affable père de famille, assis sur son tabouret de pêche, la canne à la main et son fils à ses côtés. C'était la fameuse campagne en 1976. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Ça se passait il y a 42 ans, après deux chocs pétroliers qui avaient bien ébranlé notre mode de vie occidental. Il n'était pas du tout anodin que ce bon père nous parle depuis sa rivière. Le retour à la nature ne date pas d'hier. Et près d'un demi-siècle plus tard, force est de constater qu'en France, nous n'avons toujours pas de pétrole, mais alors on a encore moins d'idées. Car la vérité, c'est que nous ne consommons absolument pas moins de pétrole aujourd'hui qu'alors, et même beaucoup plus. Mais nous aimons à nous mentir à nous-mêmes. Et il semble d'abord que notre consommation est refluée, et peut-être même d'une bonne trentaine de pourcents. C'est déjà quelque chose, me direz-vous. Mais le diable se cache dans les détails, et ce ne sont pas les changements d'heure, ni même d'ingénieux gains d'efficacité de nos ingénieurs, ou de courageuses modérations qui sont à l'origine de ce reflux apparent. Non, ce reflux, nous le devons à la mondialisation. En grande partie, ce qui fait que notre consommation de pétrole semble baisser, c'est que nous avons exporté notre consommation en même temps que nous avons délocalisé notre industrie lourde et polluante et réimporté les produits finis ou semi-finis chez nous. On est d'accord, ça compte pas, hein. Et bien comme ça, on a délocalisé 40% de notre consommation d'énergie. Alors c'est pas la plus visible, c'est ce qu'on appelle l'énergie grise, toute cette énergie nécessaire à la production de biens, cette énergie que nous consommons de manière indirecte sans vraiment nous en rendre compte. Et à vrai dire, c'est assez cynique d'imaginer que depuis si longtemps, nous compensons la hausse des prix de l'énergie par la baisse de celle du travail. D'abord, baisse par les délocalisations vers des pays à bas coût, et désormais à l'intérieur même de nos frontières, commencer par baisse des charges. Alors, l'huile de naphte est-elle trop chère? Mais c'est pas grave, faisons baisser l'huile de coude. Mais ce n'est pas tout, nous avons aussi également transféré une partie de notre consommation vers le gaz naturel, dont la consommation elle, est en nette augmentation, et qui est même pas tellement moins polluant quand il est schiste, et de toute manière, on n'en a pas tellement plus chez nous, et nous nous retrouvons aujourd'hui au centre d'une querelle géostratégique entre les États-Unis d'un côté et la Russie de l'autre, qui se battent pour savoir qui tiendra la laisse énergétique du gaz naturel, avec en troisième larron le Qatar, en embuscade. Alors voilà, en 1973, 80% de notre consommation d'énergie était fossile. En 2015, on est encore à 70%. Ajoutons l'énergie grise de nos importations. 25% de notre PIB est importé, mais cela représente 40% de notre consommation d'énergie. Même en corrigeant d'augmentation de la population, même en cherchant tout ce qu'on veut, non seulement nous n'avons pas commencé à réduire notre dépendance, mais nous l'avons largement augmentée. Alors, le tableau n'est pas rose, on est d'accord, mais il faut le dresser sans concession. Nous ne pouvons pas saisir l'enjeu pétrolier et plus généralement l'enjeu énergétique sans faire le constat que depuis 50 ans, 50 ans, nous n'avons pas commencé à réduire notre dépendance. Malgré les chocs pétroliers, malgré la baisse des ressources, malgré les pollutions locales, régionales, mondiales, malgré les guerres, malgré le coût faramineux et caché de cette dépendance. Et c'est ce point de départ que j'ai choisi pour mon nouveau dossier d'investissement de risque et profit. Et cette session thématique sur le pétrole. Dès que nous avons fait ce constat, bien évidemment, se pose la question, mais
Pourquoi? Comment est-il possible que nous n'ayons rien fait depuis un demi-siècle sur le sujet, alors même que nous avions d'énormes raisons de tout faire pour nous extraire de cette dépendance morbide? À gauche, à droite, partout, personne n'a rien fait depuis 50 ans, pas le début d'un commencement. La réponse est incroyablement simple et importante. Pas de pétrole, pas de croissance. Alors ça, ce sera l'objet de la prochaine vidéo de cette session. Elle est importante, cette prochaine vidéo. Pas de pétrole, pas de croissance. Retenez bien ça déjà. Car c'est un tabou de notre époque, presque jamais abordé, et qui justifie pourtant toutes les guerres, guerres conventionnelles, non conventionnelles, économiques, commerciales, culturelles même. On veut vous faire baisser les charges, mais personne ne vous parle des prix de l'énergie. Si vous êtes déjà inscrit à l'investisseur sans costume, vous la recevrez demain. Si vous n'êtes pas encore inscrit, il vous suffit d'entrer votre adresse email ci-dessous ou de cliquer sur le lien en description si vous êtes sur YouTube. Inscrivez-vous pour recevoir la totalité de cette session qui fait 5 vidéos. Et si vous avez trouvé cette vidéo instructive, partagez-la sur les réseaux. Si vous êtes sur YouTube, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et merci. À demain et à votre bonne fortune.